bien sûr, c'est bilingue, très bien compris. C'est constitué sur la phrase qu'on vous a envoyée, la revue de presse. Vraiment constitué comme tel. Hein, René Nassis Moto, bonjour. Bonjour Christian Gomez, bonjour également à Mamanda. Good morning Nassis, how are you today? I'm pretty good. Pretty good? Yep. Pretty good is very good. Mm-hmm. Glad to have you. La revue des journaux parus au Cameroun aujourd'hui, c'est deux parties. La première, ce sera celle consacrée aux journaux parus en anglais. Et la deuxième, ce sera celle consacrée aux journaux parus en français. Et René Narcisse Moto, là, il m'allège un peu la tâche aujourd'hui. Il fallait venir lundi. Lundi, souvent, c'est étoffé, tonton. Je ne vais pas laisser Scaragol, je sèche. Mais bon. Allez, on va commencer donc par toi, Amanda. Absolutely. Oh. We're going to begin with the papers in the English language today. Papers that will be hitting stand around the national territory in just a matter of minutes. And of course, we'll go paper after paper. You can be certain. Almost all the papers we'll be looking at this morning will talk about the Anglophone General Conference. Well, let's begin with the Guardian Post Daily of this Tuesday morning. Yes, it's no surprise on the front page, big one for today, Tumi's AGC suffers another postponement, the paper says, conveners meet in Douala today to decide new date venue. Now, the details of that story you'd find on page 3 of the Guardian Post Daily of this morning. And of course, on the front page of that newspaper, you'd find Cardinal Tumi, who is the initiator of the AGC. Government blamed as cholera death toll in Grand Nord hits 40. The paper is talking about health. Now, we'll be talking about reporting on this story. Newspapers in Cameroon have been reporting on this story, and the Guardian Post Daily is bringing us up to speed today, saying that the death toll has risen to 40 in the Grand North only. And well, the rest of that story you'd find on page 5 of the newspaper. Minister orders GM 57 other clandestine Vietnamese employees at Nextel to stop work. And you'll find the details in the inner pages of the Guardian Post Daily of this morning. Honorable Weber resurfaces in UK. The story still is in the inner pages of the Guardian Post Daily that you would discover this morning. And in economy, 2019 state budget up by over 160 billion francs CFA. More on page 2 of the Guardian Post Daily of this morning. Now, let's look at what the Horizon newspaper is talking about this morning. The Horizon, which has chosen its main story today on the AGC. We are no longer with the Guardian Post Daily. We are talking about the Horizon newspaper today. And, well, the main one this morning, Tumi's AGC called off, the paper states. Last chance for peace squandered. That's what the Horizon is reporting on this morning, and you'd find the details of that story on page 2. Other stories treated by the Horizon this morning. Formunio breaks silence, calls for fresh presidential poll for legitimacy sake. You would know that Dr. Christopher Formunio has been talking about solutions to Cameroon's problems, especially the crisis rocking the northwest and southwest regions of the country. And well, if you want to know exactly what he thinks, what his solution to the problem is in detail, well, you'd have to go to page 11 of the Horizon newspaper of this morning. UN steps in to correct Atanganji's bungled job. Now, what exactly is the UN correcting? Well, the paper says it's on the humanitarian aid to Anglophone IDPs. And well, to get the details of that story, you have to get a copy of the Horizon newspaper and flip to page 2. This other story, Baba Dampulo tightens grip on Nextel, sacks Vietnamese general manager. That story still you'd find in the inner pages of the Horizon newspaper this morning, page 2 to be more precise. Dr. Nguyam rubbishes announced recruitment of 2,000 PhD holders. That story appears on page 10 of the Horizon newspaper
of this morning. And to end with the Horizon newspaper today, Minfi official amplifies on 2019 finance bill. More on page 9 of the Horizon newspaper of this Tuesday morning. To end with the first part of the press review today, let's look at Cameroon Tribune, the National Bilingual Daily. And the stories that appear in the English language are two in number. Let's begin with this one. 2019 finance bill, parliamentarians make first assessment. Now, while awaiting the presentation of the economic, financial, social and cultural program of the government by Prime Minister, parliamentarians have reacted positively to the increase in the state budget and urged government to lay emphasis on the improvement of living conditions of the people. Now, more on that story you'd find on page 2 of Cameroon Tribune this morning. And in sports, Indomitable Lions friendly against Brazil today. Guys, did you know that? Are you watching? I definitely will be watching. Especially if Neymar is playing, yeah? Cameroon's Indomitable Lions will today, November 20, 2018, in London, play a friendly match against the Brazilian counterpart, their Brazilian counterpart, that is. Both teams have met five times in the past, with the Brazilians having the upper hand in four of the matches. But of course. And the details of that story you'd find from page 26 down to page 27 of Cameroon Tribune of this morning. Well, that does it for this first part of the press review. Good morning, Cameroon. To know what the details of all the stories and the others that we were unable to bring to you, you know what to do. Go to newspaper stand, go to newspaper kiosk and get yourself a copy or copies of these newspapers. But if you fancy reading online, that is just fine. You could go subscribe and read. Now it's time to turn our attention to what the papers are saying in the French language. And it's going to be the business of Narcisse Moto and Christian Wome. Oui, ce sera deux parties aujourd'hui pour cette revue des journaux parue en français chez nous. Donc la revue transversale des journaux et après c'est les autres faits actualité évoquée par la presse pour ce mardi. Donc, dans la revue transversale des journaux, il sera question de deux faits majeurs aujourd'hui. Donc, le premier, c'est sur le budget. Voilà, le budget de l'exercice 2019 qui est évalué, vous le savez, à 4,850,5 milliards de francs CFA. Alors, c'est la question demeure, sera-t-il adopté? Et quant au second sujet majeur, il s'articule autour du blanchiment d'argent. Et ici, hein, la presse locale souligne que le Cameroun est en ligne de mire, Narcisse. Tout à fait. Voilà donc les deux faits majeurs qui vont donc constituer cette première partie de la revue de la presse en langue française et sur Spectrum Télévision. Christian Womela donc dit, le premier fait porte sur le budget 2019 qui est donc en étude. Une proposition a été faite par les députés et à ce sujet, la nouvelle expression nous dit que ce budget, cette proposition de budget pour l'exercice 2019 divise les ministères pendant que certains de ces ministères ont vu leur proposition de budget accrue. D'autres, par contre, ont été réduites pour l'exercice prochain. Et du coup, la nouvelle expression de Séverin Tchounke fait savoir que cette idée, c'est une idée, en fait, de ce que sera la taille du premier gouvernement des grandes opportunités. Information contenue donc en page 7 du journal La Nouvelle Expression. Mutation en parle également. Mutation parle aussi de l'exercice budgétaire 2019. 38 milliards de francs CFA pour la mise en place des régions. L'enveloppe du ministère de la décentralisation passe de 11,4 à 45,7 milliards de francs CFA. On évoque également le renforcement de l'autonomie des communes et l'opérationnalisation des régions parmi les principaux objectifs. Et en troisième point, d'autres clés de décryptage de la loi des finances 2019. Mutation y consacre tout un dossier en page 7. On ne perdons rien à faire un tour en kiosque ce jour. Le financier d'Afrique parle de cette loi des finances encore en étude à l'Assemblée nationale. Le Cameroun qui table sur 4,850,5 milliards de francs CFA en 2019. Et ce journal qui rappelle ici que ce budget qui est en hausse de 165 milliards de francs CFA. Le projet de budget comporte ainsi des innovations au niveau fiscal et douanier, notamment l'application des droits d'accises sur les voitures d'occasion, la friperie, la pneumatique
et bien sûr les boissons gazeuses, entre autres. Le Financier d'Afrique est un bi-hebdomadaire, nous invite donc à kiosque pour mieux comprendre. On s'intéresse aussi à ce que nous dit donc le tri-hebdomadaire le soir et qui nous amène également à l'Assemblée nationale où les débats se poursuivent donc autour du budget de l'État 2019 proposé donc hier, entre contraintes d'insécurité et ajustement dicté par le Fonds monétaire international, tout y passe, et les députés et sénateurs qui sont donc en pleine étude. Ce budget sera-t-il adopté, surtout quand on sait qu'il est 3 fois supérieur à celui de l'exercice 2018? La question taraude les esprits. Le quotidien de l'économie s'est donc intéressé aux finances publiques. On peut faire donc un lien entre les finances et ce financement public. Et le journal de nous dire ce matin pourquoi la dette du Cameroun reste préoccupante. Analyse de Christian Pinda-Ikoka sur les risques d'un endettement même à 34% du produit intérieur brut. En tout cas, on ne perd rien à faire un tour en kiosque ce jour pour mieux comprendre cette problématique évoquée donc par le quotidien de l'économie et qui s'est donc amusé à donner la parole à Pinda Ikoka, présenté ici comme un expert sur les questions de finances. Cameroun Tribune, quant à lui, a nous permet donc d'embrayer sur le second sujet qui porte sur le blanchiment d'argent. Et si on mène ça en particulier sur les capitaux, le Cameroun qui s'engage donc désormais à évaluer les risques. Le journal le précise ce matin qu'une rencontre se tient depuis hier à Yaoundé, capitale politique du Cameroun, dans le but de préparer la riposte contre ce fléau qui cause énormément de torts à l'économie nationale. Et le journal de chuter en précisant que le financement du terrorisme est également en ligne de mire au Cameroun. Information contenue en page 11 du journal Le Cameroun Tribune, qui est un quotidien bilingue d'information. La précision en vaut donc la peine ce matin. Le même sujet est évoqué par le quotidien de l'économie. Investigation financière, 700 dossiers sur le blanchiment d'argent au Cameroun. Le Cameroun qui est donc en ligne de mire, comme nous le disait tout à l'heure, Cameroun Tribune. Information contenue en page 2 du journal Le Quotidien de l'Économie. La nouvelle expression en parle également ce matin, ce que perd le Cameroun en 2015. Il faut déjà le rappeler avec ce journal. La CONAC estimait à environ 100 milliards de francs CFA les pertes liées au blanchiment d'argent au pays. Information contenue en page 6. En ne perdant rien à faire un tour en kiosque ce matin. Voilà les deux faits majeurs abordés par la presse locale ce jour. Les kiosques à journaux ouvrent à 8h, très exactement, donc pour vous qui souhaitez déjà y faire un tour. Mais ne partez pas encore tant que vous n'avez pas l'essentiel de ce qu'il vous faut pour aller acheter le journal, c'est-à-dire les autres faits d'actualité traités par la presse. Narcisse a décidé de faire le tour avec vous aujourd'hui avant d'acheter le journal. Et tout à fait. On va donc commencer avec Cameroun Tribune qui parle de cette coopération militaire entre le Cameroun et l'Arabie Saoudite. L'hôte du Cameroun s'y trouve d'ailleurs depuis hier, accueilli donc à l'aéroport international de Simalène. Et le journal qui parle ici d'une vision commune contre le terrorisme, l'État du Cameroun qui veut renforcer son système de défense et compte désormais sur l'Arabie Saoudite. Le journal le rappelle ici que Paul Biya, le vice-ministre saoudien de la défense, attention, le vice-ministre saoudien de la défense, Mohamed Bin Abdoulaye, a réitéré la volonté de son pays de continuer à soutenir le Cameroun dans la lutte contre le terrorisme. On va rappeler qu'il a eu quelques échanges également avec son homologue Joseph Betti à Somo. L'on annonce donc que le lendemain est meilleur. Mutation pour sa part nous amène à l'université de Bouya où un enseignant et un agent ont été enlevés. Une enquête a été ouverte pendant que l'enquête
suit dans son cours. Le recteur de cette université appelle à la vigilance. Et puis, tu joins l'éducation avec mutation. On parle de l'approche par compétence qui passe désormais au crible au Cameroun. Des meilleurs enseignants pour un meilleur enseignement. Le jour, pour sa part, nous amène dans l'ensemble des universités d'État du Cameroun où l'on subodore un mouvement de grève annoncé pour les jours à venir. Et puis, on parle aussi de recrutement du BIA et de la garde présidentielle. Au niveau de la garde présidentielle, 850 jeunes retenus dans la région du centre. Le jour, il consacre donc un article à la page 5. Rendez-vous donc en kiosque. À sa grande une, le journal parle du Social Democratic Front qui veut changer de cap. Et le secrétaire général du parti donne une conférence de presse demain du côté de Yaoundé. C'est la capitale politique. Des changements seraient donc annoncés à en croire le jour de ce jour qui, comme toujours, est encore à jour ce jour. Christian Wome. Et puis, Camer Presse met bien sûr la rentrée scolaire 2017. Et à ce sujet, le journal s'interroge où vont les frais d'APEE. J'imagine que cela t'intéresse également, Christian Wome. La seule ville de Yaoundé collecte plus de 2 milliards de francs CFA chaque année, dont 112 millions de francs CFA pour le seul lycée général de Claire, classé 3e de la capitale. Les parents dénoncent ainsi la mafia autour des bureaux de l'APEE et estime que les tests consacrant l'immixtion des proviseurs sont illégaux. Et puis un autre point évoqué par Camer Presse ce matin autour donc de cette problématique, tableau des effectifs dans le primaire et le secondaire, montant des frais et besoins étonnants de certains établissements. Tout un dossier est consacré, 3 pages, 5, 6 et 7. Ça prouve à quel point ce journal estime que c'est une problématique qui doit être abordé. Et puis, toujours avec Camer et Presse, on t'intéresse également aux investissements. 8280 petites et moyennes entreprises créées en 6 mois au Cameroun. Douala, la capitale économique, vient en tête avec près de la moitié, selon les chiffres révélés par le ministère des petites et moyennes entreprises. Que nous dit donc Aurore Plus, un bi hebdomadaire. Ce journal nous amène au nord-ouest et au sud-ouest et s'interroge où sont passés l'argent du plan d'urgence. Voilà encore une opération fantôme sur fond d'entourloupe et de détournement de fonds qui n'est pas loin du fameux coup de cœur du mondial de football. On se rappelle bien, c'était en 1994. Voilà qui peut bien faire sourire. Christian Wome ce matin qui s'y connaît. Et puis, toujours avec le bi hebdomadaire Europe Plus, on peut bien s'amuser à parler de la conférence anglophone qui n'aura plus lieu. Il est désormais remplacé par une conférence de presse que le cardinal Christian Toumi donne ce jour à la cathédrale ici à partir de 10h. D'après les informations, cette conférence, ce qu'on appelle le All Anglophone Conference, a été annulée faute d'autorisation. Voilà, donc Christian Wome. On termine donc cette revue de la presse avec la nouvelle expression de Séverin Tchounke qui nous amène du côté de Bafang pour parler de sport, notamment de la sélection du club Unisport de Bafang, de cette ville qui est donc dans la tourmente. Le club remis entre les mains du préfet par le bureau sortant peine à trouver un bureau exécutif pour débuter la saison sportive imminente, Christian Wome. Et les détails, c'est dans les colonne de la Nouvelle Expression. À la page 11. Ce matin, à la page 11, précise Narcisse. Coup de cœur 1994 au Mondial des États-Unis. Hein, l'argent était passé. L'argent. Je crois que le ministre de la Communication de l'époque avait donné réponse à cette interrogation. Oui, que l'argent était entre Yaoundé et dans les airs. Là, donc. Ce n'est pas tu vas arriver. Je ne sais pas. S'il y a une banque dans les airs là, qui a accueilli l'argent. Mais bon, les choses du Cameroun, c'est toujours comme ça. En tout cas, on attendra de voir. Peut-être la répartition viendra hein, quand on est en train de restructurer tout ça et on met tout en place. On verra. Mais toujours est-il qu'il y a de l'argent quelque part. Mmh. Bon, Narcisse, on dit quoi? Demain, non? Oui, demain. Mercredi. Il y a encore qui me dit demain, non? Oui. Pour le même exercice. Le même exercice, la même messe. La même messe. Voilà. Tout à fait. Celle d'aujourd'hui est dite.
Ah ouais, elle est dite. On espère que les lecteurs, téléspectateurs de Spectrum Télévision iront en kiosque pour s'abreuver à la bonne source, parce que nous, on n'a pas les détails. On ne fait pas le commentaire de la presse, la revue de la presse. On ne commente pas. Voilà. On fait une revue. Les capsules, maintenant, pour le contenu, vous rendez en kiosque. C'est combien déjà une presse? C'est 400. C'est 400 francs. Il y en a qui coûtent 200. Moins que le prix d'une bière. Bien sûr. Une bouteille de bière. La bière, c'est 600. 600, 800. La bière coûte 500 aussi. 1000 francs même. 2000 dans les cabarets. Les gars, n'hésitez pas à acheter la bière à 1000 francs aujourd'hui. Donc, un journal à 400 francs CFA pour vous informer et savoir comment le pays se porte. Ça ne vous coûte pas grand-chose. Allez, on vous raccompagne avec cette musique qui, elle, est gratuite pour vous. Je ne suis pas...